Bonjour, nous sommes la Remember Family et aujourd'hui nous allons parler Bombec. Oui. Hey. Eh, c'est pas bon ça? Ça vous fait pas envie? Eh, regardez-moi ça. C'est les bonbons. Là, c'est un panier avec les bonbons de notre enfance. Alors, c'est notre partenaire, Génération Souvenir, qui nous a envoyé, parce qu'ils font ça pour des gens qui sont un peu à l'ancienne. Regardez, vous vous souvenez ça? Les bubblegum machin là. Ouais. C'est pour faire des bulles, moi je ne sais pas faire des bulles, je sais pas si. Vas-y, fais. Je vais sortir de ma place, bizarrement. Vas-y, viens. Tu veux quoi? Là, j'ai les petits rouleaux. Moi je trouvais ça bien là, les rolls. Les colliers, les rolls. Oui, ça c'est bon, j'ai déjà entamé le mien. Ah oui, c'est un truc de fille ça. Ouais. Vous le mettez comme ça en bracelet? Non, on le mettait en collier, on était petite. Ah ouais, ça passait encore. À l'époque ça passait. C'est ça? Oh, je peux pas, je te jure, je peux pas. Il y a aussi pour faire des bulles. Qui sait faire des bulles? Mais moi, mais je peux pas, mais je peux. Rachel? Non. Fais des bulles, tu as le droit. On n'a pas la même vision des aliments quand on a 10 ans, quand on a 30 ans. Regarde. Ah, regarde, monte. C'est un épisode d'urgence en live. Faut pas les mettre dans la bouche. C'est pas, je peux pas. C'est vrai? Tu peux pas? Tu peux toi? Morphée, tu fais. Je suis sûr que tu fais les bulles. Vas-y, fais les bulles. C'est bien les gens à faire des bulles. T'es bien un DJ. C'est pour la science. C'est pour la science. Si jamais je meurs, vous saurez pourquoi. Voilà. C'est parti. Allez, viens. C'est devenu Koh-Lanta. C'est carrément. Je ferme les yeux, je vais y arriver. Après le grand splash, la grande bulle. Beau gosse. Non, pas beau gosse. Non. Moyennement beau gosse, en tout cas voilà. J'y suis arrivé, mais vite fait. Si vous voulez vous souvenir en tout cas de ces bons vieux petits bonbons, il y a ça et puis plein d'autres souvenirs sur le site Génération Souvenirs. Ce sont nos amis, allez-y de notre part, ils vous feront une réduction. Ça, ils savent pas. Je l'aurais pas dit. Il faut une réduction. Et des choupa choups, moi je cherchais toujours celle au coca. Mmh. Ah ouais, tout le monde voulait ça, moi je trouvais ça dégueulasse. Au coca? Ah ouais, j'aimais pas du tout. Et moi j'ai jamais mangé de bonbons moi. Ça je mangeais tout. J'avalais tout les qui passent là. Je mangeais même la peau. Oh les pépites. Ah moi aussi je mangeais les pépites. J'avais mangé de la rachet les pépites. Moi j'avais pas compris. J'ai mangé le cellophane. Les pépites bien salées. Ah ouais je connais, les gens ils adoraient ça. Moi à part les fraises tagada. Ça valait 1 franc à l'époque. Tu m'avais du franc? Vous vous rappelez, vous alliez voir l'épicier et vous disiez j'ai 40 centimes, qu'est-ce que je peux avoir pour les 40 centimes? Non, tu disais pas ça, c'était ton grand-père qui disait ça. Ah bon, d'accord, je sais pas. Moi, je demandais pas de bonbons, j'ai déjà vu des gens demander ça. Oh, c'est ça? T'as déjà été dans une épicerie en disant j'ai 40 centimes, qu'est-ce que je peux avoir pour ça? Je suis fils d'épicier, je vais pas le faire. Merci de me sauver, Faisal. Vous aussi, vous avez des bonbons préférés? Likez, commentez, partagez, dites-nous quels. Oh là, je me suis embarqué dans une phrase. Dites-nous c'était quoi? Voilà. Celui. Mais alors, le carambar, en fait. Les danses. Ah bah c'est ça. On se retrouve très vite pour une prochaine Remember Family. Rendez-vous sur la page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Tchou tchou.